la montre de paix. Quand j'ai raconté, moi. Et puis tu es là, nous sommes là, tu me dis que tu veux une voiture, mon frère. Moi, j'ai des choses à faire. Il y a quel moment. Il y a papa, quand on veut un nouveau chat, on n'est pas ici. Calme-toi. Il y a quel moment. Eh bien, Kim, calme-toi. C'est un nouveau chat. Voilà, ça fait plus de temps qu'on a fini de manger. On a même déjà dit. Mais toi, non, gars. C'est moi qui baille ta facture, non. Je suis pressé, moi, j'ai des trucs à faire. Tu veux partir. Gars, si dans 5 minutes, ta boule n'est pas là. Moi, je veux partir, je vais te laisser là. Gars, si tu veux go, tu go. Je veux le chat là, ici. Là, voilà, 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 non, gars, bats-toi là-bas, attaque. Le spaghetti, c'est quoi devant le couscous? Gars, tout ça, c'est la femme. Tout ça, c'est la même chose, man. La femme, c'est la femme. Spaghetti, mon frère. Tout ça n'a pas le même goût. Gars, bats-toi là-bas. Gars, si tu veux go là-bas, go tranquillement, ne me colle pas. Il y a quoi, non? Je veux mon nouveau chat ici. Toi là-bas. Aidez, ma chérie. Oui. Sunita ne vient pas aujourd'hui. Elle est parfois imprévisible. Hein? Elle peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Pourquoi? Vous avez rendez-vous? On peut dire. On peut dire. Le problème, j'ai un souci. La dernière fois, elle m'a remis son numéro et j'ai enregistré ça dans l'autre téléphone. J'ai laissé ce téléphone à la maison en sortant. Je ne sais pas si tu peux m'aider à l'appeler. Désolée, je n'ai pas d'unité. J'ai les unités. Je te donne mon téléphone, tu appelles. Je ne peux pas. Ouais, maman. Je ne peux pas, papa. Vous avez rendez-vous. C'est mal. On part. Quand tu vois qu'elle va, on part. Non, non, attends, mon frère. Faites tout le gars. On part. Elle va venir. Deux garçons qui t'ont attendu ici fatigué pendant des heures. Comment tu peux donner rendez-vous aux gens et tu n'honores pas? Moi. Est-ce qu'on fait ça? Moi. Toi-même. Je te dis, deux jeunes hommes t'ont cherché là pendant des heures. Celui qui te cherchait, même il était court, costaud, bien noir. Il avait le ventre et il portait les poches. Non, mais dis-moi, il était véhiculé. Quoi? Il est véhiculé. Il a pris ça où? Et tu dis qu'il me cherchait? C'est un client d'ici même. Il te cherchait. Un pied plat. Piéton. Piéton, me cherchez moi. Non, 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 je comprends pas. Je connais pas en fait. Un piéton va me chercher moi, Insta. Dans tous les cas, j'ai trop de femmes qui m'attendent sur TikTok. Dire ça. Viens de vous. Ça va se passer. Ça va déjà? Oui, maman. Merci, maman. Mal au cœur. Je souhaite. Là, prends bien. Tu n'as plus fait quoi? C'est pas normal. J'avais une matière aujourd'hui sur moi. Alès, je vais pas m'échanger, rien t'aider. Ok, ma fille. Il n'y a que toi. Demandez. Là, ça passe, mais ma fille, je me force. Aujourd'hui, ça peut être bon. Demain, c'est mauvais. Ça sera chaud. Hein. On est déjà en train de entamer la deuxième tranche à l'école. Hein? Ah! Ça fait pas quelques jours que vous êtes. Tu veux prendre l'argent? Moi-même, ça me fait réfléchir.
vois pas encore. Mon ami Kenda a dit qu'il devait m'aider là pour que je puisse faire mon pas de commerce quand maman Choco vient de me lâcher. Et Akaba, pourquoi est-ce qu'il ne peut plus t'aider? La raison qu'il donne, c'est quoi? Une seule les raisons que c'est que sa mère doit s'occuper de sa mère et de ses petites soeurs. Akamba, je t'avais dit non. C'est-à-dire, toi, l'enfant, si je ne comprends même pas. C'est-à-dire, quand moi je te parle, tu ne veux pas m'écouter. C'est seulement comme si c'est le Wesse qui te parlait. Je t'avais bien dit la dernière fois quand tu m'avais parlé de cette histoire que non, attendons d'abord les essais de voir. S'il va tomber de même d'abord l'argent. Tu es là, tu commences à provoquer, à déranger Maman Choco. Tu n'as même pas encore vu la silhouette de l'argent, mais tu commences les provocations. Où en sommes-nous maintenant? Hein? Où en sommes-nous? Maintenant, il t'a lâché au carrefour. Tu viens pleurer ici. Tu pleures ici qu'il y a quoi? Que moi, je trouve de l'argent pour te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je suis là, ça arrête ça. Tu es irrespectueuse, orgueilleuse, tu insultes tout le monde, tu parles mal à tout le monde. C'est-à-dire que tu ne connais même pas tes aînés. Tout ce qui est mauvais là, c'est toi. Tu n'écoutes pas les conseils. Tu veux qu'on t'aide comment? Hein? Quand on te bête, t'as même bien dit que laisse. Essaye d'abord de voir quand il va te donner l'argent. Quand l'argent va tomber, on essaie de voir ce qu'on va faire. Tu commences à manquer du respect à Maman Choco. Que oh, tu vas aller t'installer à côté d'elle. Voilà ça maintenant. Tu viens maintenant pleurer. En tout cas, moi, je suis en train d'aller au marché. Voilà où tu pailles. Parce que je te laisse même pas manquer. Michel Bateau. Tu sais, j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Je te vois monter, descendre et autres. J'ai plus du temps, hein? Ah bon? J'ai plus du temps, tu sais. Je t'ai dit que depuis que je t'ai rencontré, je ne cesse d'être ébloui par ton charme. Ah bon? Tu es jolie, joviale. Et je me suis renseigné, hein? On m'a dit non. Elle est seule, tu peux te lancer. Oh mon chéri Chocho. Tu sais, j'ai perdu mon mari, ça fait aujourd'hui 6 ans. Oui, je sais. Je suis seule. Je ne sais même pas comment commencer. Mais Dieu m'a mis tout en chemin. Je vais te tuner. Je vais changer tout ça. Et d'ailleurs même, les histoires de cabas et autres, c'est fini. Hein? Oui, c'est la dernière fois. Non, c'est la dernière fois. Je ne mets plus ça. Non. Désormais, tu vas porter des petits démembrés avec des culottes, des hauts sports. Et non, ça va. Non. Ça, c'est pour la cuisine. Tu vas changer ça et tout. Ah bon? Oui. Ah bon. Maman Choco. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la Maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.